Éric Zemmour, un auteur controversé, un journaliste non-conformiste. Éric Zemmour est un essayiste franc qui cherche à mettre l'Occident en garde contre ce qu'il qualifie de colonisation de l'Europe. Oui, l'Europe et le monde entier, grâce aux tactiques islamiques du djihad. En est-il ainsi? L'islam possède-t-il une telle idéologie de conquête des nations? Mahomet et ses califes l'ont-ils pratiqué et enseigné? Le Coran en rend-il témoignage? L'histoire islamique le confirme-t-il? Une réponse affirmative doit être donnée à toutes ces questions. Voici pourquoi. Mahomet fut lui-même un grand conquérant, surtout après ses 12 années paisibles à la Mecque. Il envahit Médine, la ville de son égir. Il bâtit progressivement ses armées et envahit ensuite la ville sainte de la Mecque. Et ce n'était que le début. Après maintes batailles en 632 lors de son décès, toute l'Arabie avait été subjuguée à son autorité. Abou Bakr, son successeur, pratiqua cette même approche conquérante telle que dictée par Mahomet dans la section guerrière du Coran, la section la plus importante du Livre Saint. Les prochains trois califes, ceux qui sont décrits comme droitement guidés dans les voies d'Allah, pratiquèrent le même esprit de conquête et de colonisation. Ils envahirent le Moyen-Orient, ils conquirent le nord de l'Afrique. Par leurs mains s'établissait un des plus grands empires de l'histoire humaine. En 711, les forces islamiques envahirent l'Espagne et le Portugal avec une cavalerie forte de 80 000 hommes. La conquête occidentale de l'Europe avait débuté. Pour enfin être arrêtée à la bataille de Tours-Poitiers en 732, aux portes de Paris. En Orient, l'Asie mineure fut envahie par les forces islamiques. La ville de Constantinople tomba en 1453 aux mains des musulmans pour devenir la ville d'Istanbul. La conquête orientale de l'Europe se dessina par plusieurs conflits stratégiques jusqu'à la bataille de Vienne, le 11 septembre 1683, lorsque les armées de John Sobieski arrêtèrent enfin l'élan de colonisation islamique de l'Europe. Ainsi, l'histoire du monde confirme la réalité idéologique musulmane d'une colonisation souhaitée de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique et du monde entier par les djihadistes. Bravo à Éric Zemmour et à ses semblables, qui ont le courage de se prononcer honnêtement sur la question pressante de la colonisation de la France et de l'Europe, et qui veulent instruire leur auditoire concernant les enjeux qui affectent leur avenir et celui de leurs enfants.